monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo haul, try and haul et unboxing tout en même temps. Ouais, on fait tout. Alors j'ai pas ouvert le colis, il est juste là, mais il me semble, vu la rapidité d'expédition et tout, que ça vient de Zafool. Oui, encore, mais ils m'ont proposé une nouvelle fois de collaborer et j'ai accepté, mais j'ai pris des tailles plus grandes, oui, parce que c'était pas un problème de qualité, c'était juste que en fait, bah, ça taillait un tout petit peu petit. Si vous avez pas vu, je vous laisse avec mon dernier haul Zafool juste ici. En attendant, on va ouvrir, je suis trop pressée. De toute façon, c'est pas du tout Zafool et je vous raconte que des conneries. C'est notre chère amie Zafool, il y a trop de trucs. Je suis contente. On va commencer par ça, c'est une robe, il me semble, ou je dis des conneries. Ah non, c'est archi pas une robe. Voilà, je vais raconter des conneries, voilà. En fait, c'est un haut avec des grandes manches comme ça qui s'attachent en fait au milieu. En tout cas, la couleur, je suis contente et j'aime bien le principe des grandes manches comme ça, un petit peu évasées. Très joli. Trop contente de ce haut, après voilà il est court mais hein, c'est un peu le principe du haut. Je le trouve chouette, pas transparent et franchement top quoi, j'aime beaucoup le... Ensuite, un maillot de bain, oui j'ai pris encore des maillots de bain et j'ai pris des tailles plus grandes bien sûr. Oh celui-là a l'air tellement joli. C'est un maillot de bain en fait comme ça avec des petites fleurs qui est dos nu et le voici, il est vraiment chouette, j'espère qu'il va m'aller. Trop contente. Je le trouve beau, mais les bretelles sont à peine décalées là. Mais sinon ça va, enfin genre, ça a pas l'air de bouger comme ça, mais je trouve, je sais pas si j'oserais le mettre. Zafool a vraiment des maillots de bain de ouf, franchement. J'ai craqué, il me semble, sur 2 ou 3 maillots de bain, dont un que j'avais pris la dernière fois, mais qui m'allait trop petit, alors je l'ai envoyé à l'une d'entre vous. Enfin, c'est une abonnée avec qui je parle de temps en temps, elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé sympa, et du coup je lui ai envoyé, et apparemment ça lui va, donc je suis contente. Et du coup je l'ai repris pour moi mais en taille L cette fois-ci pour être sûre qu'il m'aille. Ouais, je n'ai même pas pris taille M, je me suis dit faut que ça m'aille, j'ai pris taille L direct. Il n'y a que des motifs rouges ou à fleurs dans mon truc, c'est pas possible. Le voici, le voilà. Donc je le connais déjà cet article, mais voilà je l'ai pris plus grand. On verra bien ce que ça donne, est-ce que c'est vraiment plus grand ou pas. Il y a toujours le petit rond, enfin toujours la qualité ouf, enfin que... Franchement j'ai trop hâte d'essayer, j'espère qu'il va m'aller parce que je le trouve magnifique. C'est mieux mais quand même. Ouais, c'est le décolleté. Là ça déborde. De face ça passe mais de côté un peu moins. Pareil, je sais pas si j'oserais le mettre, du coup je pense pas que c'est un problème de taille. Je pense que c'est juste en fait un souci de coupe. Donc voilà, un peu déçu. Qu'est-ce que c'est donc? Oula, plus grand que moi ça. Oh trop belle. Oh, j'hallucine, elle est trop belle. En fait c'est une robe avec des petites manches qui se mettent... où on a les épaules dénudées. Elle est toute boutonnée et en fait elle est plus longue. Oh là là, comment montrer. Elle est plus longue derrière que devant. J'adore vraiment ce style de robe. J'ai vraiment trop hâte d'essayer. Et elle est pas transparente. Vraiment trop hâte d'essayer, j'espère qu'elle va m'aller. Mais là, j'espère que ça sera pas trop grand. Vous imaginez, j'ai pris M dans tout et c'est trop grand. Trop la honte. Beaucoup trop contente de la robe. Elle me va bien. Je la trouve vraiment trop belle, je pense que c'est l'article sur quoi j'ai vraiment le plus craqué. Je la trouve vraiment magnifique cette robe là. Trop contente, oui. Ensuite, une petite robe jaune à pois. Bah, j'en ai déjà une un peu comme ça, sauf que celle que j'ai elle est rouge à fleurs. Mais du coup voilà, il y a juste la coupe qui se ressemble. Et ben voilà, c'est une petite robe volant cache-coeur avec des petits pois jaunes. C'est mignon comme tout, c'est mignon comme tout, c'est adorable. Je suis vraiment trop contente de la robe, je la trouve vraiment jolie. La couleur, le motif, la qualité, top. Ensuite, qu'est-ce que c'est? La nappe de mémé Jacqueline. Ouh, la qualité, je suis un peu moins fan. Ah, un petit haut, sympa. Sympathique comme tout, bon vu. Qu'est-ce que je fais? Oh là là, heureusement que j'ai pris M. Oh, trop mignon. Finalement, la qualité, enfin, c'est pas tant que ça choquant. C'est juste que par rapport aux autres, elle est un peu plus rigide en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais bon, Lou, arrête de te t'habiller là, voyons. Et je sais plus ce que c'est, ça doit être une jupe. Ah ouais. Oula, par contre là, le M niveau de la jupe, je pense que ça va me faire... elle m'a l'air vachement grande, la jupe. Ça se trouve, j'ai grandi et puis je rentre dedans. Hein. Qui c'est? Henta! J'adore le haut, vraiment. Je l'adore, le petit détail des manches comme ça, trop mignon. Par contre, le bas, j'aime un peu moins, je la trouve longue, pas forcément bien taillée, un peu taille basse comme ça. Je suis moins fan de la jupe. Tant pis, c'est comme ça, on peut pas tout aimer dans la vie. Ensuite, petit pois, qu'est-ce que c'est donc? Oh, un petit haut, c'est si mignon.
Oh non, trop mignon. C'est un petit haut comme ça, avec des petites manches, et il a un petit pois rouge. Et là, on fait un petit nœud et on peut le resserrer pour faire un petit peu un truc serré. Il est vraiment adorable, celui-ci. Ah là là, magnifique. Ce haut, je le trouve formidablement trop beau. Le motif, la qualité, la taille, tout est parfait. Ensuite, il y a tellement de choses, les gars, vous imaginez pas. Je suis trop gâtée. C'est un petit haut simple avec deux petits broderies qui se referment dans le dos, du coup qui est dos nu avec là des petits trucs. Trop chouette. Vraiment, ce haut est vraiment trop trop beau. Ça fait un moment que je le trouvais chouette et là j'ai décidé de le prendre et je suis pas déçue. Il y a quelques fils au niveau de la broderie qui sortent, mais rien de dramatique. Je le trouve vraiment chouette. Il est vraiment super agréable, il est assez extensible et tout. Et tous les petits détails, je trouve ça vraiment joli. Le dos nu. Je suis contente. Ensuite, des petits pois, qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est donc? Attention, attention, mesdames et messieurs. Dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil, bien gentiment. Pareil, le tissu est à peine rigide. J'aime un peu moins ces tissus qui sont moins... Voilà, vous savez, c'est des tissus hyper croissables. J'ai un peu plus de mal avec ça, je préfère les tissus fluides, etc. Je trouve que c'est un peu plus confortable. Voilà, c'est un peu le même principe que le haut jaune que je vous ai montré, bah, le premier haut. Il a des manches un peu évasées et il se referme devant par des putains de rubans qui sont aussi grands que moi. Il est beau, le seul problème ben c'est en fait c'est ça quoi, ça fait 6 mètres de long quoi, donc c'est dommage. Est-ce que je les coupe? Je sais pas. Mais sinon en soi le haut est beau quoi, je le trouve chouette. Ah, nous changeons de ton. C'est du bleu. Petite ceinture. Pareil, c'est un tissu rigide, hyper froissable. Oh, adorable! C'est une petite robe. C'est une petite robe avec des petits froufrous. Oh, des petits froufrous en haut, en bas, et vas-y. Oh, vraiment trop chouette. J'adore, j'adore ce style de robe. Dommage que ça soit ce tissu-là, parce qu'avec un tissu fluide, ça aurait rendu vraiment trop bien. Pareil, la taille, nickel. Franchement, j'adore. Le seul souci, c'est le tissu qui est un petit peu rigide. Je trouve ça un peu dommage que ça soit pas tout fluide. Mais après, elle reste jolie quand même, pas transparente. Donc, je reste satisfaite quand même. Et bah, c'est la fin. Tu as allée vite, non? Pareil, un tissu un peu plus rigide. Oh, adorable. Adorable comme tout. Pareil, c'est... Oh, elle est doublée. Doublée. Ça, point positif. Doublée. Doublure. C'est bien. C'est une petite robe rouge avec des petits volants. Elle m'a l'air un petit peu courte, mais faut essayer. Je fais quand même 1m2, donc ça se trouve c'est pas si long pour moi. Mais elle est vraiment très jolie. Dadan ! Bon, on va essayer tout ça. Je suis excitée comme une puce. Finalement, pas si courte, même si elle est pas hyper hyper longue. Ça va, le seul souci c'est qu'il y a deux ficelles là. Et je sais pas vraiment à quoi ça sert. Faut que je regarde sur le site si ça se met là ou... Là. Enfin bref, je sais pas. Mais sinon, elle est mignonne. Mais voilà, j'aime bien. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Il y aura d'autres hauls qui vont arriver très bientôt. Donc, j'espère que vous aimez ça parce que vous allez être blindés de hauls. Enfin, voilà. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et gros bisous.